Bonjour, bonjour Marie-Jo. Tu vas bien? Mais très bien. Bonjour Patricia. Ça va? Dis donc les filles. Oui. Pour ce week-end. Oui. J'aurais aimé trouver des occupations parce que, vu le temps. T'as envie de te servir de tes mains. Voilà. Et puis de faire quelque chose pour les fêtes, une belle table, le sapin. Est-ce que vous avez des idées? Alors, tu peux venir au premier salon de loisirs créatifs qui a lieu à Saint-Dié-des-Vosges ce week-end à l'espace François Mitterrand. Et tu y trouveras 33 exposants. Alors Patricia, tu peux nous en dire plus peut-être? Oui, bien sûr. Donc dans les exposants qui viennent de toute la France, vous allez pouvoir trouver du tissu, des perles, des petits boutons, faire des décos de Noël, de la peinture pour retaper vos meubles. De la laine. Et de la laine, enfin. Des boutons céramiques. Oui, tout à fait. Et puis il y aura également des ateliers où vous pourrez fabriquer des petits lutins, des cœurs en tissu sans couture, des bracelets en polymère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des albums photos, enfin, des boules de Noël. Et c'est ouvert à tous, les enfants, les adultes. Les ateliers sont payants, mais vous repartez avec votre votre réalisation. Pardon. Alors venez nombreux, avec, mesdames, amenez surtout vos maris, vous pouvez emmener vos enfants, vous aurez plaisir à trouver plein d'objets aussi à faire pour vos enfants. Il y aura la trousse à Lulu qui est un petit stand, enfin un stand d'ailleurs, pour les enfants spécifiquement, et puis d'autres objets à faire avec eux. Mais mesdames, surtout n'hésitez pas à emmener vos maris. Si vous avez trop chaud et que vos vêtements vous gênent, vous trouverez un vestiaire. Vous aurez un salon de thé, vous aurez des boissons chaudes, des gâteaux faits par les bénévoles de l'association Club au Bon Point. Et deux food trucks à l'extérieur. Voilà. Pour les activités, vous pouvez vous inscrire sur le site saloncrea17.com. Parfait. Voilà, vous aurez les heures, les prix. Voilà.